وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé son livre, le Coran, et a envoyé son messager Muhammad alayhi salatu wa salam pour facilité et comme miséricorde pour l'humanité. La religion de l'islam, la charia, la législation islamique n'est jamais venue avec une règle, une loi ou un statut pour nuire ou pour rendre les choses difficiles à l'humanité. Bien au contraire, la législation islamique est une facilité, un bien et une largesse, car il est interdit en islam de faire du mal, de chercher à faire du mal, ou bien de porter préjudice, ou bien de rendre difficile une chose qu'Allah a rendue facile. Nous voyons bien cela dans le hadith de Abi Sirma, radiallahu anhu, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque porte préjudice verra Allah lui rendre l'appareil. » Et quiconque rend la tâche difficile ou rend les choses difficiles, verra Allah lui rendre l'appareil. Ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah et il a été authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah jami'a. Dans ce hadith, il y a deux principes fondamentaux, grandioses parmi les principes fondamentaux de l'islam. Le premier principe qui stipule qu'un acte est rétribué de la même manière que l'acte en question, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, et on le voit bien, que quiconque accomplit un acte qu'Allah aime, Allah l'aimera en retour. Et quiconque accomplit un acte qu'Allah déteste, Allah le détestera en retour. De même, quiconque aide un musulman, Allah l'aidera dans ce monde et dans l'au-delà. Quiconque sauve un croyant d'une situation affligeante ou de détresse dans ce bas monde, Allah le sauvera d'une situation de détresse le jour du jugement dernier. Allah se charge de régler les affaires du serviteur aussi longtemps que ce dernier se met au service de son frère. Beaucoup d'autres preuves du Coran et de la Sunna qui prouvent cette règle fondamentale. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah récompense la personne selon, en concordance avec l'acte qu'il a fait, dans le bien ou dans le mal. De la même manière, dans le mal, quiconque porte préjudice à un musulman ou à une personne, même non musulmane, injustement, il verra Allah lui rendre l'appareil. Et quiconque complique les situations et rend serré ce qu'Allah a rendu large, alors Allah va lui serrer sa situation et va lui rendre l'appareil. Bien d'autres exemples corroborés par le Coran et la Sunna de ce fondement et de ce principe essentiel en islam que l'on retrouve dans ce hadith. Le second principe qui est cité dans ce hadith, c'est le principe qui stipule qu'il est interdit de porter préjudice à autrui en islam, de manière intentionnelle ou non intentionnelle. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, nul préjudice à autrui
Nul préjudice n'est autorisé, c'est-à-dire le préjudice à autrui est interdit, intentionnellement ou inintentionnellement, dans le but d'en profiter soi-même ou même sans en profiter soi-même. Donc, porter préjudice à autrui peut prendre plusieurs formes. Combien de règles en islam sont venues justement détailler ce point-là pour montrer l'interdiction de porter préjudice à autrui? En commençant par les plus grandes règles qui sont le fait de préserver la vie humaine et de préserver la vie qu'Allah a rendue sacrée, puis de préserver l'honneur, de préserver les biens et de ne jamais porter préjudice. D'ailleurs, dans toutes les règles de l'islam sont venues ou bien avec un intérêt absolu ou bien avec un intérêt supplémentaire ou qui prévaut sur le méfait. Il n'y a pas une règle, une loi en islam dans lequel le méfait est plus grand que l'intérêt ou bien dans lequel il n'y a que du méfait. Toutes les règles et les lois d'Allah sont un intérêt pour l'humanité, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. D'ailleurs, il n'y a pas une chose qu'Allah a légiférée sans que ce soit un bien pour l'humanité. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, ni il ne profite de l'adoration de ceux qui lui obéissent ou de l'obéissance de ceux qui lui obéissent, ni ne lui nuit la désobéissance de ceux qui lui désobéissent. Personne ne peut faire ni du bien ni du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah agrée et aime une personne pour le bien qu'il a fait, c'est un bien pour cette personne. Allah tabaraka wa ta'ala, ça ne lui rajoute rien dans son royaume ni dans son pouvoir subhanahu wa ta'ala. Car il est capable de toutes choses et il possède toutes choses. Il n'a besoin, il se passe de l'univers subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas créé l'univers car il s'ennuyait, mais pour une sagesse. Donc, tout type de préjudice doit être écarté en islam. Tout préjudice. C'est pour cela qu'il est du devoir du musulman d'agir pour éloigner tout préjudice. Et, au contraire de cela, d'apporter tout bénéfice, tout intérêt, tout bien. Combien de versets viennent parler de ceux qui arrangent les choses, ceux qui réforment ce que les gens ont corrompu? Donc, on voit bien dans l'islam l'interdiction de toucher à l'honneur d'autrui, à la vie d'autrui, de mentir, de tromper, de cacher les défauts de la marchandise, de ruser, de trahir ses engagements lors d'une transaction commerciale. Le fait aussi de monter les enchères sans l'intention d'acheter. Tout ceci est interdit en islam. Pourquoi ? Parce que cela fait du mal aux autres. De même, sont concernés le fait d'aller demander la main à une femme qu'une autre personne a déjà demandée. Ça lui fait du mal, alors qu'elle ne s'est pas décidée, ni elle n'a refusé, ni elle n'a accepté. De même, ça englobe tout ce que les commerçants, les associés font entre eux, les voisins, le voisinage. En islam, ta propre propriété, c'est à toi. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose dans ta propriété personnelle qui nuit à ton voisin. Alors qu'allons-nous dire de sa propriété à lui? Que ce voisin soit musulman ou non, peu importe, il a le droit du voisinage. De même, le fait de nuire et de porter préjudice à son épouse, en lui privant de ses droits, en ne la divorçant pas, tout en lui faisant du mal, en la gardant mu'allaqa entre les deux, ni divorcée, ni mariée, ni on se comporte avec elle d'une bonne manière comme un mari, ni on la libère, ni on la divorce pour qu'elle soit libre de faire sa vie. On la laisse prisonnière. Ça aussi en islam, c'est interdit.
De même que de nuire à ses héritiers en faisant un testament pour favoriser un héritier par rapport à un autre ou pour priver un héritier par rapport à un autre. Tout ceci est interdit en islam. L'héritage a été déterminé en islam. De même, le fait de porter préjudice en étant injuste dans son jugement quand on est amené à juger entre les gens ou en étant injuste dans son témoignage quand on est amené à témoigner pour ou contre quelqu'un, même de sa propre famille, même contre soi-même. Allah nous a demandé d'être juste dans notre jugement, même contre sa propre personne. De même que le fait de toucher à l'honneur des autres en faisant des fausses accusations, ou bien en allant dénoncer des gens aux autorités mensongèrement pour leur nuire, pour récupérer leurs biens, ou par jalousie, de fausses accusations. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux personnes atteintes d'une maladie contagieuse de se mélanger aux personnes bien portantes pour éviter que le préjudice il ne se répande. Et il a interdit aux personnes d'un pays touché par une maladie contagieuse de sortir du pays et il a interdit aux personnes extérieures de ce pays d'entrer dans ce pays. Tout ça pourquoi ? Pour éviter que le mal et le préjudice ne se répandent. Combien de règles sont venues en islam pour préserver l'intégrité physique, morale et les biens des personnes. De même qu'il est interdit, ne serait-ce que de faire peur à un musulman, en même en plaisantant, de brandir une arme contre lui, même en plaisantant, même en s'amusant, pour lui faire peur. Et Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a été questionné par une voiture. Quelqu'un s'amuse avec la voiture pour lui faire peur. Il a dit, même ça c'est interdit en islam. De lui faire peur avec une voiture, avec une arme, avec quoi que ce soit. Il est interdit d'effrayer une personne innocente. Tout ceci sont des règles établies en islam. Et si tout ceci est interdit, le contraire est ordonné. De faire du bien, de préserver l'honneur, de répandre le bien, de réformer, d'arranger, de faciliter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de hadith où il annonce aux prédicateurs, facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens. Même dans le prêche. Alors qu'allons-nous dire dans les actes, serviteurs d'Allah? Il convient et il appartient aux musulmans de connaître la réalité de leur religion, de la prendre correctement et de la mettre en pratique. Et d'en être fier, car c'est la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, comme le Coran a été révélé pour l'humanité, arabe et non arabe, jusqu'à la fin des temps. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا